Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir invoquer sur les portails tickets. Donc, je suis super content parce que là, on a reçu ce matin donc tous nos tickets. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à contacter le support par rapport à ça. Mais normalement, on a tous nos tickets à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Et donc, voilà, on va récupérer déjà tous les tickets qu'on va pouvoir récupérer. Voilà. Hop là, donc, ça part sur un... Hop là, plus 121, la petite mission d'accepter, c'est très cool. Ok, ok, ok. Donc, 144. Donc, je pense qu'on va faire une grosse multi à 50 en début de vidéo. Et après, on fera des petites multi à 7 pour faire le compte. Mais donc, voilà. Quel portail est quand même le plus intéressant pour moi? C'est à savoir, on va regarder ça tout de suite pour être sûr. Parce que y a certains personnages que j'ai pas et d'autres que j'ai et que j'ai pas trop envie de retrouver. Par exemple, lui, j'ai pas envie de le retrouver. Lui non plus. Elle, j'aimerais bien parce que je l'ai toujours pas. Lui, je l'ai. Lui, je l'ai. Lui, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. J'ai. 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 Ouais, en fait j'ai tout là. Ici j'ai tout sauf un personnage. Donc c'est vraiment pas ouf ouf, honnêtement. Ouais, c'est pas vraiment terrible. Ok, misclic. Mais donc ouais, premier portail, il est pas terrible pour moi en tout cas. Le deuxième, est-ce qu'il il m'intéresse un petit peu plus? Parce que il y a deux personnages que j'ai pas en fait sur ces portails. C'est lui et El Famoso, couleur, puissance. Donc je pense que je vais partir sur ça. Pour la multi à 50, bien sûr, sur ce portail, il n'y a pas que des SSR, Doganfest, etc. Il y a aussi DLR en hors détecteur. Donc plutôt sympa, hâte de voir ce qui va tomber. Sachant que pendant la célébration, on aura un éveil Z, donc un ZTUR de ce personnage, donc... Si vous l'avez pas, ce serait peut-être le moment de l'avoir. Hop là, donc on va partir sur le portail de Gohan Tech. Si on en récupère encore un doublon, ce serait pas mal quand même. Allez, on va y aller. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je stresse un peu, je dois vous l'avouer, parce que j'ai envie d'obtenir quelque chose. Ok, pour le moment, pas d'animation, ça sent pas bon sur une multi à 50. Ah, est-ce que ça signifie LR ou pas? Ça, je sais pas, par contre. Sur un portail, il y a des Dokkenfest aussi. Allez, c'est parti. Donc, le petit végéto qui tombe. Hâte de voir ce que ça peut donner. Bon, honnêtement, c'est du bonus, tu vois. Donc, si j'obtiens rien, c'est pas bien grave. Même si, sur une multi à 50, j'aimerais obtenir quand même un taux de drop de 10%, quoi. Donc, on va compter le nombre de SSR que j'obtiens. Et on aimerait un top drop quand même de 10%, ça ne change rien. Ok. D'accord, pour le moment, rien du tout. Après, on ne peut avoir qu'un seul personnage, c'est le risque de faire une multi à 50. Il n'y a rien de garanti. Donc après, là, c'est un petit peu vous et votre chance. Du piccolo. Ouais, pour le moment, il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien, ça me fait un peu stresser. Ah, j'aime pas, j'aime pas. Ah, j'aime pas. Allez, s'il te plaît, le jeu. Montre-moi juste un SSR. Juste pour faire semblant, tu vois, t'es pas obligé. Le Zarbon qui va arriver en tant que... qui est arrivé, il me semble, en tant que personnage free-to-play. Hop là. Hop là. Toujours rien. Toujours rien. On est à la recherche de SSR. Après, si on drop un LR sur un multi à 50, ok. Personnage qu'on ne voulait pas. Ah! Un switch. Gohan Pui, j'étais en train de me poser la question, et ouais, Gohan Pui. Bon, ça fait un doublon, j'ai pas 100%, donc c'est toujours ça, il y aura un jour un ZTUR, donc pourquoi pas. Ce qui sera assez intéressant, le jour où il aura son ZTUR, vraiment. Ok, donc c'est pas encore fini, on peut encore obtenir quelques petits trucs. Deux Dokkenfest quand même d'affilée, c'est quand même plutôt pas mal, il me semble. Pour 25, ça fait 1 pour 25, hein. Ok, j'aimerais bien au moins avoir un dernier personnage avant la fin de la multi, ce serait cool. Oh, je laisse déjà 100%, donc je pense que ça peut pas partir chez Baba, malheureusement. Je vais pouvoir commencer à monter un nouveau Vegeta, au cas où, ce sera assez sympa ça. Comme ça, si on nous redemande un truc GT en Battle Boss, là, où on doit combattre, là, je sais plus...
Comme ça, je pourrais avoir une team GT un petit peu plus fournie. Ok, bon, on n'a pas obtenu grand-chose. Vraiment, là, c'est un peu pourri. 3 SSR sur 50. J'aurais tenté, au moins, j'aurais tenté. Un peu déçu, mais ce n'est pas grave. On peut encore se rattraper avec les multi-tickets. Alors là, quand même, la Kefla m'intéresse toujours. Donc, ce que je pense faire, c'est qu'on va descendre jusqu'à 50 avec le portail de la Kefla, et on ira terminer tout à coup de 7 par 7 sur le portail de Gohantech. Hop là, c'est parti. Sachant que les LR qu'on peut retrouver pardon, sur les deux portails, bah, c'est des LR qu'il y a sur les deux portails. Ok, donc on commence directement, SSR garantie. Ok, on prend. Fusion, on prend. Ok, SSJ Blue, est-ce que ça annonce un LR, un SSJ Blue? Ça, je ne suis pas certain. Ça peut être très très sympa. Ça peut être très très sympa. Je ne l'avais pas. Les gars, je ne l'avais pas. Je ne l'avais toujours pas. Et il tombe enfin, alors qu'on a appris qu'il avait eu un ZLR, il me semble. Plutôt content. Plutôt content. Mais c'est quoi cette multi, les gars? La multi A7 est plus impressionnante que la multi A50. Mais c'est quoi ce truc? Bah, chaud. Un doublon? Mais on prend un petit doublon, les gars. C'est quoi cette multi A7? Mais... Bon, on va prendre le petit screenshot hein, pour se la péter un petit peu auprès des copains. Mais waouh. Alors là... Si, enfin... Bonjour, d'abord. J'étais pas prêt. J'étais très clairement pas prêt. Plutôt content, on va le dire. Hein. On prend. Ok. Yamcha Trunks. Ouais, faut pas abuser non plus, j'ai eu quand même des animations depuis le début, un petit LR que je n'avais pas, qu'il faudra que je monte et qui est assez pénible il me semble à monter, mais plutôt sympa, plutôt content, hâte de voir ce que ça peut donner, et surtout avec son ZLR, je l'obtiens on va dire au bon moment, malgré le fait que j'ai joué sur les 6 ans du jeu, ça veut dire que j'ai commencé mon compte au tout début du jeu, bientôt à 2000 jours de co, hein. Bah malgré ça, ouais, le Gohan LR m'a toujours échappé. Ok, c'est Tristounet toujours. Cekada. Ok. Après, là, on peut avoir un petit craquage d'écran. Ça peut être sympa et pas du tout. Bah, c'est le risque. Hein. Après, c'est le risque sur ce genre d'invocation. Faut pas s'étonner quand on ne drop pas. Ok. Là, qu'est-ce que je vois? Il faudrait que je fasse... On va faire 3 singles, comme ça on n'aura plus qu'à faire des multi après. Hop là. Ah dommage, le Trunks en trop. Ah ça fout les boules. Ça fout vraiment les boules. Quand t'as une animation que tu penses, c'est... Non. Bon après en single on s'attend pas non plus à faire des trucs de malade. C'est pas très très étonnant. Ok. Tsekada, toujours. Ok. Ça annonce rien. Là, honnêtement, sur les 3 singles, faut pas s'attendre à du lourd. Ah, quoique. Oh, ça, en vrai, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Je crois que je ne l'ai pas monté. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai pas encore monté, mais j'en ai 3 doublons. Ok, ça va monter dans l'arbre de potentiel. Ah, il y a beaucoup d'unités par contre que j'ai pas monté, les gars. Je suis un peu en retard sur ça. Allez, et le Goten, il est où? Moi, je veux du Goten. Vraiment. Bon. On a fini avec les singles. C'est parti. Bon, on va essayer de faire quelques multi ici. Parce que c'est ici que ça nous intéresse le plus. Hein. On veut du couleur puits. On veut du Gotenks INT. On veut. Les gars, Tsekada, mes couilles en ski, ouais. J'ai pas envie, moi, je vous drop. Allez, s'il te plaît. Bon, peut-être que sans animation, on aura peut-être quelque chose. Bon, on a eu du SSR. Bon, le Trunks, honnêtement, c'était l'un des premiers carnages du jeu. Pas ouf. Au début, je m'en servais parce que j'avais pas trop le choix. Mais voilà. Mais au moins, on sait qu'il y a du hors détecteur, quand même, en dehors des LR. Ça fait plaisir quand même de voir ça. Le Piccolo qui maintenant a remplacé Krillin et qui s'incruste un peu partout. Cekada, ok.
Bon, après la multi asset qu'on a fait avec un SSR du détecteur et un LR, on ne va pas se plaindre. Deux SSR du détecteur en plus. Deux SSR du détecteur et un LR quand même. On ne peut pas se plaindre. Je pense que c'est réussi, surtout que c'était un LR que je n'avais pas. Malgré les 55 LR qu'il y a dans ma box, en tout cas, en tout. Ah, enfin du SSR. Garanti. Tsekada, Tsekada toujours. On aura peut-être un craquage d'écran, excusez-moi. Ok. Alors qu'est-ce que ça dit? Craquage, bye bye. Un deuxième? Non, pas de deuxième. Bon, ça annonce un SSR lambda. Ok. Donc le Goten. La Bulma que j'ai déjà 100%. Le Goten aussi en fait. Bon. En tout cas, on drop. 49, ok. Il nous reste encore quelques multi, 7 si je compte bien. Ok. Bon. Tsekada, Tsekada toujours. Pff, oh là 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 là. Il faut qu'on drop, les gars. Il faut qu'on drop. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai dépensé des 100 et des 1000 pendant toute l'année, là. Allez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, on a Whis. Je sais pas si ça peut annoncer quelque chose. Tsekada, Tsekada, ça se transforme pas. Ah si, ça se transforme quand même. Mais pas directement, donc... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, rien de folichon pour le moment. Ok, Ginyu n'a pas... Ok, toujours un doublon en plus, je crois que je l'ai déjà 100%, mais c'est toujours ça. On s'occupera pour le recycler plus tard. Ok. C'est quoi cette combinaison? Je crois que je l'ai jamais vue tellement il y a... C'est improbable. C'est improbable. C'est improbable, c'est improbable. Ok, Tenshin Han. Bon, ça drop pas, hein. Ça drop pas, on est d'accord. Là, ça veut pas beaucoup, hein. Ça veut pas beaucoup. Là, c'est chaud patate, hein. C'est chaud, c'est chaud. On va voir, hein. Peut-être que ça va peut-être modifier au fur et à mesure. Je vais peut-être retourner sur l'autre portail, hein. C'était peut-être mieux. Tsekada, Tsekada. Par contre, là, on a relâché Rainbow. Ça peut donner du SSR. Donc, sur une multi où c'est pas garanti, toujours ça, hein. C'est toujours ça. Ok, Tao Pai Pai, Vegeta. Ok, Krillin. Ça va être quoi le SSR? Ok, Whistek, qui à l'époque était dans mon équipe quand j'ai commencé le jeu. J'ai joué presque un an avec ce Whis. Hop là, on va refaire une petite multi ici pour dire qu'on en a fait une autre. Voilà. De toute façon, on est gourmand là. On balance, on balance. Ok. Kamehameha toujours. Aucune surprise sur les invocations. Est-ce que je vais être obligé de relancer le jeu comme j'ai eu l'habitude de le faire sur les multi-invocations pour être sûr de drop? Monsieur Satan. Ok. Bon, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. On va relancer le jeu, je pense. Ah ouais, je suis en train de relancer le jeu. Ah, je suis content de voir... Bah ça. Oh putain. C'est quoi cette tête à Vegeta? C'est quoi cette tête, vraiment, les gars? Et celle de... Oh, celle de Freezer. Je sais pas qui est-ce qui a travaillé dessus. Alors, Goku, en vrai, ça passe pour l'époque. Mais Vegeta et Freezer, là, ils ont été amochés un truc de malade. Vraiment. Je trouve... Je les trouve pas super beaux par rapport à ce qu'on a pu voir. Bon. Bon, on a relancé le jeu. On va repartir directement sur les invocations. Il nous reste encore 14 tickets. Donc... On va voir si je drop, bien sûr, sur le portail où on en a le plus besoin. Et donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors. Ah, on a du Vegeta, ceci dit. Ah, voilà, on a de la fusion. Voilà. Ça nous avait manqué, en fait. Nous, c'est ça qu'on voulait, c'est ça. C'est ça. Bon, il n'est pas bleu, donc pas de LR, mais... Enfin, pas de LR garanti, en tout cas. Ok, un petit Frost... Ok, un petit Zarbon. Son Goku toujours. Dabra. Ok, ok, ok. Je sais. Je crois que j'avais 90%, donc au moins je vais pouvoir le passer. Ah non, c'est le INT. Ah bah le INT 100% déjà.
Ok, bah dommage. Un petit Végéto pour ça, je suis un peu déçu. Mais au moins de l'animation. Voilà. Un petit peu d'animation, ça fait plaisir. Ok. Et on va faire la dernière, les gars. Levez les bras au ciel. Likez si vous voulez que j'ai de la chance. Vous avez pas liké, les gars. Kamehameha. Oh là là. Bon, en tout cas, les multis étaient quand même assez sympas. C'est quand même super bien que le jeu propose des tickets comme ça. J'ai toujours kiffé le principe. Ça leur coûte rien et nous, ça nous fait plaisir. Vraiment, je trouve ça vraiment très très bien. On va faire le petit récap quand même de ce que j'ai récupéré. Liste des persos. Ok, on va faire date. Ok. Et on va mettre en SSR uniquement. Ok, ok. Bon. Les drops ont commencé ici à Gotenks SSJ3. Ok, donc on a drop le Vegeta SSJ4, le Gohan Ultime, le petit Gohan LR qui va être assez intéressant dans la box une fois ZLR parce qu'il va monter ZLR d'ici peu. Ok, ensuite on va avoir le Goku que lui je n'ai toujours pas monté alors que je l'ai, je crois, presque 90%. Donc voilà. Là, un petit doublon, il me semble que le mien a déjà un doublon, donc ça a passé à deux doublons, je n'en voudrais pas plus. Lui, que j'ai déjà 100%, donc OZEF un petit peu, tout comme le Vegeta SSJ4. Et après, c'est du random. Mais en vrai, c'était plutôt sympa. On ressort quand même avec un LR, ce qui est quand même pas mal. Tout le monde ne ressort pas avec toutes ses multis avec un LR. Donc voilà, très content. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si vous avez apprécié. Si vous êtes encore là, écrivez... écrivez quoi? Qu'est-ce que vous allez écrire? Écrivez Gohan LR dans les commentaires si vous êtes encore là. Et n'oubliez pas, je suis un joueur random, tout comme vous. Allez, à plus.